Salut, c'est Fred, j'espère que t'as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, j'espère, pourra être en ligne jeudi. Parce qu'en fait, j'ai un souci informatique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo mardi. Et il y en a bien une mercredi. Il y a bien eu une interview des artisans du bonheur qui a été mise en ligne mercredi puisque je l'avais déjà programmée en avance, celle-là. Et donc voilà. J'espère que je vais pouvoir mettre cette vidéo en ligne jeudi et que mon problème informatique sera réglé. Normalement, oui. Normalement, oui. J'ai fait ce qu'il faut pour, donc normalement, ce sera bon. Voilà. Donc, dans cette vidéo, en fait, au-delà de mon petit souci informatique, il n'y a pas que ça. En fait, je t'invite à contribuer, ok, à me dire en commentaire, je vais t'expliquer. En fait, je voudrais créer un groupe Facebook autour des artisans du bonheur. Je pense à un nom comme artisan du bonheur, tu vois, pour le groupe Facebook, ok, groupe des artisans du bonheur, par exemple, ça peut être ça. Si tu as des idées de titre, fais-m'en part dans les commentaires, je suis vraiment preneur, c'est quelque chose qui est pour toi, pour moi, pour toi, pour nous tous, donc voilà, c'est pour ça que je te propose de participer justement à ce projet. Dans la création de ce projet, donc j'aimerais que ce groupe, en fait, le but, c'est qu'on puisse regrouper des artisans du bonheur au sein de ce groupe pour qu'ils puissent communiquer sur leur savoir-faire, leur expertise, proposer leurs services. Il y en a qui font des événements aussi en ligne, donc ils puissent poster aussi leurs événements en ligne sur ce groupe. Comme ça, il y a toutes les informations qui se réunissent à un même endroit. Ce groupe, il n'est pas seulement dédié aux artisans du bonheur, mais il est dédié à tout un chacun, en fait. L'objectif, c'est justement que tout le monde puisse accéder à ce groupe pour poser des questions à des artisans du bonheur, sur ce qu'ils font, pour prendre rendez-vous, bref, tout et n'importe quoi. Des conseils, pourquoi pas. Et ça peut être aussi, je pense aussi aux personnes qui sont en cours de formation, parce que je vois sur plusieurs groupes qu'il y a des personnes comme ça qui sont en formation et qui disent « j'offre 5 séances gratuites pour pratiquer parce que je suis en formation », par exemple. Et je me dis, ces personnes-là, elles peuvent aussi avoir un intérêt à trouver un lieu commun, comme ça, où est-ce qu'il y a tous les artisans du bonheur qui se regroupent, pour pouvoir demander des conseils, et puis pourquoi pas proposer des coachings, quitte à proposer des coachings comme ça pour pratiquer, ça peut être aussi proposer donc des coachings, des accompagnements, parce que c'est pas forcément du coaching, mais je parle de coaching parce que c'est ce que j'ai vu comme annonce dernièrement, mais ça peut être d'autres sujets, bien sûr. En termes d'artisans du bonheur, voilà, qui rentrent dans ce cadre. Donc, ces personnes, ok, peuvent très bien proposer justement leur fameuse séance gratuite à des artisans du bonheur qui, eux, ont une certaine expertise, ok, et qui pourraient, au travers de cet échange, pourquoi pas donner un feedback beaucoup plus constructif, justement, à l'apprenant en cours. Voilà, au futur artisan du bonheur. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je viens de t'expliquer. Donc pour l'instant, l'idée de ce groupe, elle est là-dessus, regrouper les artisans du bonheur, regrouper également des artisans du bonheur en devenir, qui sont en cours de formation, et puis regrouper également donc des personnes qui ne sont pas artisans du bonheur, mais qui recherchent justement des informations autour de ça, autour de praticiens. Et où est-ce qu'on pourrait retrouver des événements J'ai aussi des idées comme ça, des envies de créer des événements. Donc, ce sera aussi un endroit où est-ce que je pourrais poster moi-même des événements, ou est-ce que je pourrais aussi faire des lives Facebook. D'autres artisans pourraient également faire des lives Facebook. J'aimerais aussi qu'ils puissent faire des lives comme ça sur le groupe, que ce soit vraiment ouvert aux artisans et à tous ceux qui aiment cet esprit. Voilà, en devenir, artisan en devenir, ou alors, comme je l'ai dit, des personnes qui ne sont pas artisans, mais qui cherchent des infos. Voilà, ou qui veulent participer à des événements, tout simplement. Donc voilà, j'aimerais avoir ton avis en commentaire à propos de tout ça. Est-ce que toi, tu as des idées, je sais pas, une façon de communiquer autour de ça, ou voilà, sinon, je sais pas, des idées, voilà, autour de ce groupe Facebook, les artisans du bonheur. Voilà, quel intérêt, toi, tu aurais à rejoindre ce groupe Facebook, voilà, artisans du bonheur. Voilà. Donc, fais-moi part de tout ça en commentaire, s'il te plaît. Ça serait vraiment super cool. Ça me permet de pouvoir construire quelque chose qui correspond vraiment au mieux, parce que c'est pour toi, justement, que je veux créer ça, avant tout, pour toujours dans cette démarche de te proposer
t'offrir comme ça des possibilités d'accéder à des connaissances qui puissent te permettre d'oser vivre ta vie. Puisque moi, c'est vraiment dans cette dynamique que je travaille, accompagner les gens à oser vivre leur vie. Donc voilà, je veux encore développer quelque chose comme ça, comme ce groupe Facebook justement, pour t'apporter encore plus de valeur ajoutée, plus de super conseils pour oser vivre ta vie. Yes! Bon. Voilà. Donc, dis-moi en commentaire, ok? Donne-moi des infos, qu'est-ce que tu penses de ça, et puis qu'est-ce que tu aimerais trouver dans ce groupe des artisans du bonheur, que je puisse le construire vraiment à ton image. Voilà. J'espère que c'est clair. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ose vivre ta vie parce que c'est super important d'oser vivre sa vie, apprends à croire en toi. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre à croire en toi à petits pas, il y a la formation, la nouvelle formation que j'ai mis en ligne sur mon site que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Enfin, il y aura le lien dans la description de cette vidéo pour rejoindre cette formation. Petite formation, petit prix pour faire des premiers pas justement pour apprendre à croire en soi, avoir une meilleure confiance en soi comme ça. Mais léger et cool, tu vois, démarrer tranquille, voilà, en apprenant à développer son intuition et donc à avoir une communication avec soi-même qui soit plus rassurante. Voilà. Bon, j'ai fait mon speech, yes. Je te dis à la prochaine. Ose vivre ta vie, prends soin de toi. Ciao, ciao.